À l'affiche d'Alibi.com 2, qui sortira ce mercredi 8 février, Philippe Lachaud et Élodie Fontan forment un couple épanoui à la vie comme à la scène. De là à franchir un cap important dans leur vie, l'acteur et réalisateur a répondu à l'hypothèse d'un futur mariage dans les colonnes de Télé 7 jours. Entre eux, pas de faux semblants ni de diversion pour justifier leur relation. Philippe Lachaud et Élodie Fontan filent le parfait amour et continuent de jouer ensemble. Dans son nouveau film, Alibi. Comme deux, en salle dès le mercredi 8 février, le réalisateur et sa compagne se donnent la réplique en tant que couple qui s'apprête à se marier. De là à ce que cet acharné de travail demande la main de sa belle dans la vraie vie, il pourrait y avoir du vrai temps. Le binôme rock'n'roll qu'il incarne à l'écran est une juste transposition de leur quotidien déluré. Notre couple est vraiment basé sur la rigolade. Le côté chamaillerie de nos personnages, le fait de ne jamais se prendre au sérieux et se vanner en permanence, si est notre mode de fonctionnement, a confié le leader de la bande à Fifi dans les colonnes de Télé 7 jours. Il va falloir que j'y pense. Élodie Fontan, avec son côté camionneur à en croire le réalisateur, n'est d'ailleurs jamais la dernière pour monter les pires canulars à son chéri. Elle n'a pas hésité, par exemple, à pousser le papa de Raphaël, tout habillé et téléphone à la main, dans une piscine à une heure indécente. Une nuit, elle m'a mis des points d'auto-bronzant sur le visage. Ils sont restés plusieurs jours, et j'avais rendez-vous chez le notaire, a également raconté ce trublion un brin trouillard. Il semble en tout cas prêt à prendre son courage à deux mains pour se mettre à genoux et sortir l'artillerie lourde. Il va falloir que j'y pense, surtout, que j'assure plus que le personnage lors de ma demande, a-t-il assuré, le sourire en coin, tout en gardant une part de mystère. Avec ceux de là, amour et humour font bon ménage.